Avers, la douche froide, la fête de la fraise pourrait être annulée en raison de l'état d'urgence et des règles de sécurité trop importantes. Le reportage d'Elsa Arnaud. Ce n'est pas de la tarte d'organiser la fête de la fraise en plein état d'urgence. À 10 semaines du coup d'envoi, il faut assurer la sécurité des 11 entrées de la commune de Vers, agencer des aires de stationnement, mais aussi mettre en place des postes de secours. Trop de contraintes pour la municipalité qui préfère jeter l'éponge. Ça nous occasionne une nécessité d'avoir au moins une centaine de bénévoles pour assurer la sécurité et en même temps l'organisation de la fête. Et pour l'instant, notre association et la commune n'ont pas les moyens de trouver ces bénévoles. Un crève-cœur pour la préfète de la Dordogne. Pour elle, pas question d'annuler la 18e édition de la fête de la fraise. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est mon souhait. J'ai demandé à la directrice de cabinet de faire une réunion sur place, sur le terrain, la semaine prochaine, pour trouver des solutions, pour faire en sorte que cette fête ait lieu, bien sûr en sécurité, mais pour qu'elle puisse se tenir. Et si jamais la fête reste annulée cette année, elle reviendra à coup sûr en 2018. C'est en tout cas ce qu'ont promis les organisateurs.